Tu crois que c'est la première fois qu'on me menace avec un flingue? Tu vas me mettre en retard. Et je déteste être en retard. Où sont les colis? C'est quoi ça? Faut y aller maintenant. Sortez de la voiture, toutes les trois, tout de suite. Personne ne sort de la voiture. Maintenant, roule. Laissez-la vite. Accrochez vos ceintures. Besoin de renfort. Qu'est-ce qui vous a pris autant de temps? J'ai dû coucher deux ou trois bébés. Dieu existe. Il habite à Bruxelles. Loi 2129. Quand on plonge un corps dans la baignoire, le téléphone sonne. Loi 2218. La file d'un côté avance toujours plus vite. Dieu nous dit, aime ton prochain comme toi-même. J'ai jamais dit ça. Pardon? J'ai jamais dit ça. C'est moi Dieu. Mais l'autre, là, il est parti en sucette. Hein. Tout ce qu'il a réussi à faire, c'est se faire clouer sur un cintre comme une chouette. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ça fait beaucoup de missions, si peu de temps. Le statut secrétaire volante ne vous pose pas de problème. J'aime le changement. Madame Ducruet, je vous présente Monsieur Lemens, avec qui vous allez travailler. Bonjour, Monsieur Lemens. Bon, ben, ça fait plusieurs semaines que je suis sans secrétaire. Qu'est-ce que c'est? Une chemise. Vous avez rendez-vous avec le maire. C'est bien qu'elle s'implique autant. Il y a quelque chose entre vous? Vous êtes qui? Je m'appelle Marie-France. Je travaille avec ton papa. Tu me laisses entrer. C'est quand même curieux de voir sa secrétaire débarquer comme ça à l'improviste, non? Faites le tour de l'immeuble et déposez-moi au même endroit, s'il vous plaît. Je vous présente... Marie-France, vous n'étiez pas vraiment invitée. Marie-France? Bonsoir, Audrey. Plus. Tout le monde sourit.